Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui, on va apprendre à faire ces petites fleurs en 3D ou des trèfles à 4 feuilles aussi, vu qu'il n'y a que 4 pétales. Très facile à faire, ça se fait en 2 tours et super rapide. Vous aurez besoin de, comme d'habitude, des petits strass ou des perles que l'on colle, un pistolet à colle et un crochet. Alors moi, pour ce modèle, je vais prendre le crochet numéro 3. Et puis, on va commencer. Alors, vous faites un cercle magique pour commencer. À partir de là, on va venir faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans le cercle, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. On refait 3 mailles en l'air et dans le cercle, une maille serrée. Et on va faire ça 4 fois. Donc 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, 3 mailles en l'air et on termine par une maille serrée. Donc vous reproduisez exactement pareil encore 2 fois et on se retrouve 3 mailles en l'air, 3 brides. 3 mailles en l'air, une maille serrée. 3 mailles en l'air, 3 brides. 3 mailles en l'air, une maille serrée. A tout de suite. Voilà, j'ai terminé les 4 pétales. J'ai fait la maille serrée pour finir. Je coupe le fil. Je fais une maille en l'air supplémentaire. Et maintenant, je vais venir tirer le fil de derrière. Pour qu'on ait bien nos 4 pétales. C'est pas évident quand c'est de la laine foncée. J'espère que vous voyez bien. Donc ce que je vais faire, je vais retourner l'ouvrage et là je vais coincer tout ça avec un petit nœud, voire deux. Et puis je vais couper les fils. Vous les rentrez si vous voulez, moi je les coupe. C'est des ouvrages que je vais coudre sur d'autres ouvrages, donc peu importe. Donc maintenant, on va venir prendre la seconde couleur. Vous pouvez le faire uni aussi si vous voulez. Hein. Mais je trouve que ça ressort plus avec deux couleurs. Donc je vais prendre une couleur lilas. On va refaire un petit nœud de base, de coulant. Et on va venir s'accrocher à une des 4 mailles serrées que l'on a faites. Donc on rentre le crochet. On attrape le fil et on passe en faisant une maille coulée. Ensuite, 3 mailles en l'air. Ici, on a 3 mailles en l'air, 3 brides, 3 mailles en l'air. Donc, sur la troisième maille des 3 mailles en l'air, on va venir faire 2 brides. Une, deux. Sur les trois brides suivantes, on va venir faire 2 brides sur chaque bride en fait. Une, deux sur la première. Sur la deuxième, on en fait 2 aussi. Sur la troisième, on en fait 2 aussi. Une et 2. Ici, on a 3 mailles en l'air de nouveau. Sur la première maille des 3 mailles en l'air, on va venir faire 2 brides également. Une et 2. Sur la maille serrée que l'on avait fait au centre, on vient refaire une maille serrée en piquant bien dans la maille. Voilà. Et là, on recommence, 3 mailles en l'air,
sur la troisième maille en l'air du début de bride. Une, deux. Sur les trois brides suivantes, deux brides chacune. Une et deux. La deuxième bride, pareil, on lui fait deux brides aussi. La troisième bride, deux brides aussi. La première maille des trois mailles en l'air, deux brides également. Et vous terminez par une maille serrée sur la maille serrée du rang précédent. Et vous continuez ainsi tout le rang. Et on se retrouve. Quand vous arrivez à la fin, vous refaites une maille serrée au même endroit que là où on a commencé. Vous faites une maille en l'air supplémentaire. On coupe le fil. On tire. Et c'est terminé. On va venir cacher les fils comme tout à l'heure en faisant deux ou trois petits nœuds. On coupe. Voilà, maintenant je vais venir coller encore une petite perle. Comme ça, c'est mignon, c'est rapide, ça peut décorer pas mal de choses, des bandeaux pour petites filles, des sacs à main, des pulls, enfin un peu tout ce qu'on veut, des serre-têtes. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis au prochain tuto. Salut, salut.